C'est à Tijdit, faubourg de Mostaganem, une ville portuaire de la Méditerranée, située au nord-ouest de l'Algérie, qu'en 1874, est né Ahmed Ben Aliwa. Plus connu sous le nom de Alaoui, selon son acte de naissance. Mais 1869 est l'année la plus avancée, de parents vertueux. Il avait deux sœurs. On raconte qu'un peu moins d'un an avant sa naissance, sa mère Fatima vit dans son sommeil le prophète Mohammed, tenant à la main une jonquille. Il lui sourit, jeta la fleur à ses pieds, et elle la ramassa avec humilité. Faisant part de ce songe à son mari, celui-ci l'interpréta comme l'avènement d'un fils pieux. Son père Mustapha, par fierté, ne laissait lire ou deviner sur ses traits les moindres séquelles du besoin dans lesquels se débattait sa famille. N'ayant jamais envoyé son fils unique à l'école coranique, ne fût-ce qu'un seul jour, il s'occupa lui-même de son instruction. À la maison, il lui apprit à lire, et surtout le Coran jusqu'à la sourate El-Rahman. Le père mourut en 1886, alors que son fils était encore mineur. La nécessité se fit plus urgente au sein de l'humble famille. Le jeune Ahmed, vibrant de tout son être au malheur des siens, dut remplacer le père disparu et exercer divers métiers. Ce fut surtout celui de cordonnier qu'il maîtrisa le mieux et qui lui permit d'assurer une certaine aisance matérielle. Plusieurs années durant, la maroquinerie l'occupa, puis il s'adonna au commerce. Déjà une soif ardente de connaissances spirituelles s'était irrésistiblement emparée de lui. Elle était loin d'être assouvie en raison de ses occupations profanes. Si je n'avais eu un certain don et une certaine intelligence native, dit-il, je n'aurais probablement rien appris qui vaille la peine d'en parler. Il se rattrapait surtout la nuit, aidé par quelques professeurs qui l'invitaient chez lui. S'adonnant à l'étude avec frénésie, il dévorait livre sur livre et cela l'absorbait des nuits entières, à telle enseigne que son épouse en prit ombrage, et finit par demander le divorce, trouvant qu'il n'accomplissait pas ses devoirs conjugaux. Elle avait en vérité, dit-il, quelques raisons de se plaindre de moi. Cette assiduité aux enseignements sous les chapelets des professeurs de fortune permit au jeune Ahmed de cultiver une certaine assaise mentale, d'appréhender quelques subtilités de doctrine et d'élargir progressivement les horizons de ses connaissances, d'autant plus facilement qu'il était porté sur la science des soufis, qui désormais il ne faussa presque plus compagnie. La nécessité de travailler de jour ne faisait que rendre cette soif de connaissance encore plus lancinante.
C'était donc de nuit que, quittant son logis, il allait assister aux enseignements et participer aux séances de zikr. Sa mère se tourmentait d'autant plus pour lui que la maison familiale, située hors de la ville, était isolée et périlleux le chemin. Aussi se dressait-elle contre son fils, employant tous les moyens pour le détourner. Mais en vain. De 1886 à 1894, il fut incontestablement marqué par la confrérie Issaouiya, dont l'un des maîtres, par sa pureté, sa droiture et sa piété sans équivoque, l'avait conquis. Cette confrérie fut fondée au XVIe siècle par Mohamed Ben Aïssa, et son centre spirituel principal se trouve à Meknès, où son fondateur est enterré. La confrérie des Issaouiya, la deuxième à Mostaganem en effectif, une trentaine d'adeptes aussi bien en 1884 qu'en 1895, après les Darkawa, est la seule avec eux à disposer d'une Zaouiya, mais n'y reste qu'environ 2 ans. S'étant scrupuleusement conformé aux préceptes de la confrérie en question, il acquit très vite une telle adresse dans l'accomplissement des pratiques Issaoui, que tous ses confrères l'admiraient. Une auréole de prestige l'enveloppait. Il acquit la réputation d'un Issaoui accompli, capable d'exécuter sans défaillir tous les actes prodigieux, dont s'enorgueillisaient les membres de la confrérie. Mais dans mon ignorance, dit-il, je pensais que les prouesses, les exhibitions et les prodiges qu'on cherchait à accomplir, étaient réellement des modes de me rapprocher de Dieu. En effet, ayant vu un jour une feuille de papier accrochée au mur, il lut une formule qui était imprimée et qu'on attribuait au prophète. Il ne lui en fallut pas davantage pour le détourner des pratiques hétérodoxes. Se contentant désormais de s'adonner aux prières libres, aux invocations et aux litanies. Il commença à se retirer et à s'excuser auprès de ses frères, jusqu'à ce qu'enfin il parvint à abandonner complètement toutes les autres pratiques. Non seulement il se retira de la confrérie, mais il en arriva à pouvoir provoquer la défection des frères et à détourner même toute la confrérie, peine perdue. Il rompit donc de ses contacts. Mais il ne réussit pas encore à désapprendre la pratique de charmer les serpents et les vipères, seul ou en présence de quelques amis. Désorienté, parce que désormais sans guide spirituel, Ahmed Alaoui s'en était ouvert à son ami et associé en matière de commerce, Ben Slimane Ben Aouda. Celui-ci lui parla longuement et avec une emphase sincère, d'un certain maître, homme pieux, rentré du Maroc. Sidi Amou Cheikh El Bouzidi. Le maître El Bouzidi vivait certes effacé, mais sa droiture d'âme, ses vastes connaissances sur le plan soufi, sa douceur malgré les adversités, tout semblait le désigner comme seul guide spirituel valable dans la ville de Mostaganem.
C'est du moins ce que pensait Ben Slimane Ben Aouda, l'ami de Ahmed Alaoui. Ces propos laissèrent un profond écho chez Alaoui. Si avide d'idéal spirituel, aussi il décida de faire sa connaissance. Mais le destin s'en chargea. En effet, quelque temps après l'arrêt de cette décision, alors que les deux amis et associés étaient dans leur boutique, voilà que Cheikh Bouzidi passait. Ben Aouda s'avança vers lui, l'invita à entrer dans la boutique et à s'asseoir. Le maître ayant accepté l'invitation, ils s'entretinrent un moment, tandis que Alaoui était absorbé par son travail. Le maître Bouzidi, ayant manifesté le désir de prendre congé, fut prié de retourner auprès des deux amis et de ne plus interrompre ses visites. Ces propos sont d'une teneur plus élevée que ce qu'on lit dans les livres, fit remarquer Ben Aouda. Le maître revint voir les deux amis assez fréquemment. Il avait tout naturellement fini par savoir que Ahmed Alaoui était passé maître dans l'art de charmer les serpents. Peux-tu m'apporter une vipère et la charmer ici devant nous ? Hors des murs de la ville, le jeune charmeur, n'en ayant trouvé qu'une assez petite, longue seulement d'un demi-bras, la rapporta et se mit à la charmer comme il l'avait appris au contact des Issaouis. Après la démonstration, le maître Bouzidi lui dit : Mais est-ce que tu peux en charmer une autre plus grande que celle-ci ? Elles sont toutes pareilles pour moi. Eh bien, je vais t'en montrer une plus grande, plus dangereuse. Si tu arrives à la dompter, alors tu seras vraiment un sage. Où est cette grande vipère ? C'est ton âme, logée entre tes côtes. Son venin est plus puissant que celui de la vipère. Tu seras réellement un sage, si tu peux faire d'elle ce que tu fais de la jante vipérine. Ne répète plus ces expériences. L'âme pouvait-elle être plus mortelle que le venin d'une vipère ? Cette question de l'âme venimeuse obsédait le jeune homme. Très vite, le maître décela chez lui les qualités requises, non seulement pour recevoir l'enseignement, mais aussi le diffuser à grande échelle. Et il n'hésita pas à lui promettre un rang spirituel très élevé. S'il vit assez longtemps, et si Dieu le veut. Peu de temps après, Ahmed Alaoui ayant pris le maître El Bouzidi pour guide spirituel, et fut affilié à la confrérie d'Erkawa. Oh, God.
Deux mois auparavant, Ben Slimane Ben Aouda était déjà reçu dans la confrérie. Il n'en souffla pas un mot à son ami, lequel n'a appris la chose qu'après avoir été initié à son tour. Le maître El Bouzidi lui révéla alors les types de litanies propres à la Derkaouia et lui recommanda de les réciter après la prière du matin et après celle du soir. Une semaine s'écoula, et voilà que le maître s'entretint avec son disciple du nom suprême. Et de la manière dont il fallait le prononcer, le cultiver. Il lui ordonna à cette fin, de s'y consacrer. Mais faute de retraite spirituelle, il était malaisé aux disciples de pratiquer l'invocation du nom suprême. Il chercha vainement un local où il pût s'adonner à cette initiation spéciale. Il s'en plaignit à son maître qui jugea que le meilleur endroit pour s'isoler était assurément le cimetière. Mais la cité funéraire inquiétait le disciple. Malgré toute sa bonne volonté, ne put pratiquer son invocation spécifique. S'en étant de nouveau ouvert au maître, celui-ci lui fit remarquer qu'il ne l'avait aucunement obligé à se rendre au cimetière de nuit, comme il avait tenté de le faire. Il lui ordonna de se contenter du dernier tiers de la nuit. Ainsi, il put pratiquer le zikr de nuit et rencontrer son maître de jour. Tantôt chez lui, tantôt chez le maître. Parallèlement, il continuait à assister à des cours de sciences religieuses qui se donnaient au milieu de la journée, déjà qu'il suivait auparavant, que Cheikh Mohamed Benalal donnait, et qui sera plus tard, le moufti de la ville de Tlemcen. Un jour, le maître l'interrogea pour connaître la nature des cours auxquels il tenait beaucoup. Il lui apprit qu'il portait sur l'unicité de Dieu. Un tel avait baptisé ses cours l'enlisement. Le mieux pour toi serait que tu te préoccupes maintenant de la purification de ton cœur jusqu'à ce qu'il soit irradié de la lumière de ton Seigneur. C'est alors seulement que tu connaîtras le sens de l'unicité de Dieu. Quant à la théologie, seul en profiterait en vérité les doutes et les illusions accumulées. Tu feras mieux d'interrompre provisoirement ces cours, jusqu'à ce que tu finisses avec ton initiation du moment. Car c'est un devoir que de privilégier l'important, par rapport aux choses secondaires. J'avais pris grand goût à ces leçons, et j'étais arrivé à compter tellement sur eux pour ma compréhension de la doctrine, que je fus sur le point de lui désobéir. Mais, Dieu, mit dans mon cœur cette question, comment sais-tu, si ce que tu reçois du Cheikh Bouzidi n'est pas le genre de connaissance que tu cherches en réalité, ou même quelque chose d'encore plus élevé? Deuxièmement, je me consolais à la pensée que l'interdiction n'était pas définitive. Troisièmement, je me souvins que j'avais fait le serment de lui obéir. Et, quatrièmement, je me dis que peut-être il voulait me mettre à l'épreuve, comme le font les maîtres. Mais tous ces arguments ne supprimèrent pas la douleur du chagrin que j'éprouvais intérieurement. Il m'était très pénible de me dispenser de ces enseignements. J'en fus très attristé, mais ma tristesse se dissipa aussitôt que j'eus troqué mes heures de lecture contre les séances de remémoration. D'autant plus que les résultats de ceux-ci ne tardèrent pas à se manifester. Quand il fut libéré du devoir de s'absorber dans le nom suprême, le maître El Bouzidi lui permit, très tôt, de guider vers la confrérie d'Erkaouia.
Effrayé, Ahmed El Alaoui demanda au maître. Mes maîtres, m'écouteront-ils ? Tu seras semblable à un lion. Pour peu que tu mettes la main sur quelque chose, tu le maîtriseras, et il sera entièrement à toi. Et il en fut ainsi, toutes les fois que je parlais avec quelqu'un, et que je décidais de le guider vers la voie, je le trouvais docile, obéissant, malléable, de sorte que la confrérie étendit son audience. Louange à Dieu. سيد احمد يا محلاه غوث الله يا الحباب طوب قلبي سيد العلاوي يا مسعدنا بالقاه يا مسعدنا بالقاه. Il est très vraisemblable que Ahmed El Alaoui ne resta pas longtemps effacé. En effet, en moins d'une année, il s'attira la confiance totale de son maître. En raison de son aptitude foncière à appréhender les subtilités du soufisme, de la sincérité de ses sentiments, de la solidité de sa foi et de sa réalisation spirituelle précoce. Il ne serait donc pas étonnant de le voir désigné comme délégué du maître El Bouzidi, à l'âge de 20 ans. Donc entre 1894 et 1895, se mettant corps et âme au service de son maître, durant 15 années consécutives, comme il a été rapporté dans ses mémoires. Puis je suis resté 15 ans en sa compagnie, faisant tout ce qui était en mon pouvoir, afin que la voix d'Erkaouya triomphe. La boutique des deux amis revêtait plus, le cachet d'une zaouïa que celui d'un local de commerce, où les disciples affluaient de plus en plus nombreux. De nuit, le maître El Bouzidi prodiguait des enseignements, et de jour, il s'y adonnait aux séances de zikr. Durant cette période, il négligea ses intérêts commerciaux, tant et si bien que, n'eût été son associé et frère Ben Slimane Benaouda, qui en avait pris grand soin, il eût à coup sûr fait faillite. Le contraire se produisit et leur capital ne diminua guère. Durant cette période d'approfondissement de son expérience initiatique, Ahmed El Alaoui finalise en 1901 sa première œuvre écrite, qui est un commentaire d'un poème de son maître El Bouzidi, en s'appuyant sur les preuves coraniques et les paroles du prophète, et par lequel il développe le sens voulu par son maître, qui a été sujet d'attaques violentes de la part des savants de sa ville, en raison de leur mauvaise interprétation du poème. Il fut par la suite sous l'emprise de puissantes charges spirituelles. Pour endiguer les offensives de ce courant, il rédigea en 1904 la Genèse des cognitions universelles, portant sur la vision directe de l'univers. Ouvrage d'astronomie mais également de cosmogonie et de cosmologie, en méditant sur les mondes de la création divine, poussant à la limite la réflexion sur leurs phases et l'organisation de leurs mouvements. Il vit qu'il y avait là une manifestation éloquente de ce qu'est la sagesse divine, en tant qu'elle régit les causes secondes, ainsi qu'une prodigieuse puissance divine. Son ouvrage le plus important, Les dons sanctifiés, plus connu par les très saintes inspirations, ou L'éveil de la conscience, fut terminé en 1907. C'est l'un des ouvrages les plus importants qui ait été écrit sur la religion musulmane d'un point de vue soufi. En effet, il ne s'agit rien de moins que du commentaire ésotérique du dogme et du rituel de la religion musulmane. Partant de l'exposé versifié de la religion islamique dans ce qu'elle a d'extérieur et de formel, fait par Ibn Ashir, El Andalusi. Alaoui fait ressortir avec une évidente clarté les implications subtiles et les significations cachées de ce dogme et de ce rituel. «
Le maître El-Bouzidi avait grande envie de le lire. Il le prenait, lisait un passage, et se mettait à pleurer puis le reposait. Il louait Dieu pour la noblesse d'un tel fils spirituel. Quinze années passèrent. Ahmed El-Alaoui accomplit fidèlement sa mission de représentant légal et guide spirituel, et en présence même du maître El-Bouzidi. Il faisait figure de maître suppléant qu'aucun des disciples ne contestait. Le maître El-Bouzidi fut affecté par un accident vasculaire cérébral. Il était incapable de parler sans que cela touche à ses facultés de compréhension. Il fut paralysé de la moitié de son corps. Il rendit l'âme quelque temps après, le lundi 25 octobre 1909. Il aurait vécu 95 ans. Ahmed El-Alaoui le pleura et composa un poème, exprimant sa grande tristesse de sa disparition. Ô Seigneur, se plaint ma tristesse de la mort du roi, une vraie perte pour ces temps et toute l'humanité. Le maître El-Bouzidi n'avait jamais désigné expressément quelqu'un pour lui succéder à la tête de la confrérie. Il dit à l'un de ses disciples, assez vaniteux, qui s'imaginait être qualifié pour guider les frères après le maître, car la question avait été plus d'une fois évoquée par le présomptueux. Je suis pareil à quelqu'un qui habite une maison avec la permission du propriétaire. Et une fois qu'il se verrait appelé à quitter la maison, c'est au propriétaire qu'il se doit d'en remettre les clés à qui il voulait. Les disciples ne savaient plus à quel saint se vouer pour résorber le désarroi dans lequel les avait jetés la disparition du maître. Certes, un très grand nombre d'entre eux étaient tout disposés à prêter serment d'allégeance à leur délégué Ahmed El-Alaoui, du fait qu'il avait remplacé son maître de son vivant, jusqu'à encadrer des disciples au terme de leur réalisation spirituelle. Il avait été donc plus qu'un délégué ordinaire, mais on le savait décidé à émigrer au Proche-Orient. Les divergences d'opinion étaient trop prononcées pour que l'assemblée des disciples prenne une décision quant au successeur éventuel de leur maître défunt. Enfin, sur l'avis du délégué Ben Slimane Ben Aouda, les délibérations furent reportées à la semaine suivante, dans l'espoir évident que des visions viendraient guider les frères dans le choix du nouveau guide. Mais voilà que bien avant le délai fixé, de nombreuses visions se produisirent, qui ne laissèrent plus aucun doute sur la personne qui devrait présider la confrérie. Ces visions indiquaient clairement que la fonction du maître devrait être dévolue à leur délégué Ahmed El-Alaoui. Lui-même avait vu avant le décès de son maître, quelques jours avant, le prophète lui annoncer qu'il serait le successeur du roi de l'Orient et qu'il serait son principal soutien. Plus que jamais, Ahmed El-Alaoui s'était mis en tête de partir pour l'Orient. Il avait déjà liquidé presque tous ses biens, meubles et hypothéqués. Ceux qu'il n'avait pu vendre, à charge pour ses amis de les liquider à son absence. Certains frères le supplièrent de les prendre en charge, au moins pendant qu'il attendait que l'administration lui délivrât le visa de voyager.
dans l'espoir qu'il fût détourné de ce voyage, son ami Mohamed Ben Toreya lui proposa de le marier à sa fille sans condition aucune, ce qu'il accepta. Entre-temps, les disciples résolurent de tenir une assemblée générale dans la zaouïa du maître défunt. Tous firent serment d'allégeance au nouveau maître, Ahmed el-Alaoui. Les membres de la confrérie d'Arkaouia, qui habitaient hors de Mostaganem, affluèrent par petits groupes pour témoigner au nouveau maître leur allégeance et le reconnaître comme tel. J'avais interprété cette union spontanée des disciples autour de ma personne comme un prodige, car je n'avais aucun moyen extérieur de soumettre à mon influence des hommes si différents. C'était leurs convictions absolues de ma conformité aux enseignements du maître qui les détermina à venir à moi. Seuls deux ou trois ne vinrent pas. Et Ahmed el-Alaoui agréa leur serment d'allégeance. Le désir d'émigrer était tenace. Il tenaillait Ahmed el-Alaoui bien avant la mort du maître el-Bouzidi. L'Orient l'attirait, d'autant qu'il voyait la patrie sombrer dans la corruption morale. Un groupe de ses amis avait également l'intention d'émigrer. Ses deux cousins, Abdelkader et Mohamed Ben Aliwa, étaient déjà partis pour Tripoli, quelques semaines avant le décès du maître el-Bouzidi. Quant à lui, il était perplexe, tiraillé, entre la nécessité de partir et le devoir de guider. L'hésitation ne dura pas longtemps. Visiter le siège du califat ottoman était trop impérieux pour qu'il y opposât quelque résistance que ce fût. Accompagné d'un disciple, Mohamed Ben Kassim el-Badissi, Ahmed el-Alaoui rendit des visites à des frères de Relizan. Il resta deux jours. Puis, les deux compagnons se dirigèrent vers Alger, dans l'intention de faire imprimer les dons sanctifiés. Mais aucun éditeur algérois n'étant disposé à imprimer le manuscrit. Ils poussèrent alors jusqu'à Tunis. Ils louèrent un logement, et Ahmed el-Alaoui prit parti de ne le quitter que lorsque viendrait à eux l'une des personnes pratiquant le zikr, avec laquelle ils pourraient sortir. Cette décision s'expliquait, par la vision qu'il avait eue, un groupe de frères venait chez eux, et le conduisirent à leur lieu de réunion. Quatre jours passèrent. Alors que son compagnon allait faire quelques courses, Ahmed el-Alaoui restait à réviser son manuscrit. Puis vint ce même groupe de frères qu'il avait vu dans sa vision. Ils étaient les disciples du maître Sadek el-Sahraoui, décédé seulement quelques mois auparavant. Ses frères de la confrérie Madaniya insistèrent auprès des deux visiteurs, tant et si bien, qu'ils finirent par les accompagner. Ils les logèrent chez l'un d'entre eux. Leur visite pleine d'amour fraternel et de courtoisie était fréquente. Celle de docteur en loi religieuse, de spécialiste de narration prophétique ne l'était pas moins. Enfin, plusieurs groupes d'étudiants de l'université de la Zitouna ne se faisaient pas faute d'accompagner leur professeur ou de venir séparément discuter avec celui qu'on disait
très versés dans la science des soufis. Certains parmi eux, son futur grand disciple le jeune, Mohamed El-Madani, était parmi ses étudiants. Ils lui proposèrent de les entretenir de son ouvrage, Les dons sanctifiés. Ses propos les conquirent, et certains étudiants commencèrent à s'affilier à la confrérie. Après avoir mis au point les modalités d'édition de son manuscrit Les dons sanctifiés, Ahmed El-Alaoui décida d'aller trouver ses cousins à Tripoli en Libye. Il projetait d'aller visiter les lieux saints, la Mecque et Médine. Mais une lettre de Mostaganem le prévint que cette année-là, le pèlerinage qui coïncidait avec le mois de décembre 1909, était interdit par les autorités françaises, et que toute infraction était sanctionnée par une forte pénalité pécuniaire. Sans doute y avait-il eu épidémie comme il s'en déclarait souvent dans des rassemblements pareils, et l'administration coloniale voulait-elle en limiter la propagation ? Toujours est-il que Ahmed El-Alaoui s'embarqua pour Tripoli, sachant qu'il n'irait pas au lieu saint de l'islam. Quant à la Libye qui échappait encore à la domination étrangère, lui sembla autant qu'il pouvait s'en rendre compte, un bon endroit pour immigrer. Puisque la population était aussi semblable que possible à celle de l'Algérie. Tant par la langue que par les mœurs. Au bout du troisième jour passé à Tripoli, il s'embarqua pour Istanbul. Mais là, il fut amèrement déçu par les grands bouleversements qui secouaient le califat. Il retourna aussitôt en Algérie. Il dit à propos de son retour. En vérité, je n'eus l'âme en paix que le jour où je mis le pied sur le sol algérien. Depuis Mostaganem, Ahmed El-Alaoui résolut de combattre pour sa foi. Mais il était démuni, ayant ainsi vendu presque tous ses biens pour payer son voyage, et le peu qui lui en restait, il le dépensait dans la propagation de la voie d'Erkaouia, car il avait résolu de ne pas se ménager pour faire triompher le parti de Dieu. Il se rebiffa d'abord contre certaines pratiques qui constituaient pour ses disciples, à vouloir seulement se réunir chaque jeudi autour de la tombe du maître El-Bouzidi, brûlant du parfum et récitant des prières en chantant. Les semaines passèrent, semblables les unes aux autres. N'y tenant plus, Ahmed El-Alaoui assura que ces réunions ressemblaient à celles que tenaient les vieilles femmes. Je ne crois pas que Sidi El-Bouzidi nous ait donné de sa science pour que nous restions à le remplacer. Au contraire, il nous a laissé comme les rejetons d'un vieil arbre. L'arbre a fini son temps, mais les rejetons sont là pour donner leurs fruits. Et si les fruits ne se vendent pas au pied de l'arbre, on doit aller les porter au marché. Nous devons faire connaître ce que nous avons, et non pas le tenir caché. Car c'est utile à nos frères les hommes. Se dépensant dans une activité prosélytique débordante, il finit par dépenser le reliquat de ses biens meubles. Il ne demandait jamais rien à ses disciples, car il ne se sentait nullement à l'aise pour demander de l'argent. Ses difficultés pécuniaires passèrent le cap critique.
Ahmed El Alaoui, dû hypothéquer sa maison, la seule solution qui lui restait, était donc, la mise en gage du seul bien immeuble qui lui restait. En réalité, la charge assez lourde des disciples dont le nombre croissait rapidement, l'avait empêché de résorber ses dettes. Par ailleurs, certains maîtres de la Derkaouia tant à Mostaganem que dans la région oranaise, jaloux de l'audience grandissante du nouveau maître, ne ménagèrent pas leurs efforts pour l'entraver dans son prosélytisme, par leurs intrigues, leurs calomnies et leurs provocations. Les autorités coloniales ne restaient pas passives, en raison des fréquentes résistances que les Derkaoui avaient à leur actif dans un passé encore récent. Aussi malmenaient-elles tout particulièrement les adeptes du nouveau maître, en qui ces mêmes autorités voyaient en lui un ennemi en puissance. L'animosité des chefs Derkaoui voisins, se mesurait à l'extension de l'aire géographique de l'influence d'Ahmed El Alaoui. Or celui-ci atteignait même des petits villages, réputés jusque-là réfractaires à tout prosélytisme religieux. Bientôt, l'animosité se transforma en haine, implacable, lorsqu'Ahmed El Alaoui se décida à prendre son autonomie en 1914, vis-à-vis de la Zaouïa mère des Derkaoui, de Beni Zeroual au Maroc. La confrérie prend alors le nom de Tarika Alaouïa, Derkaouïa, Chadiliya. Ahmed El Alaoui sentait la nécessité de faire de la pratique de la retraite spirituelle un axe de sa méthode. D'occasionnel chez les Chadili, qu'il a pratiqué du reste des solitudes naturelles. La retraite spirituelle allait donc faire partie intégrante de la méthode Alaoui. Cette nécessité était rendue d'autant plus urgente que le maître en avait tiré grand profit, alors qu'il n'avait même pas de local approprié pour s'y adonner. La rage de ses rivaux ne fit qu'augmenter. Pour eux, l'introduction systématique de la retraite était une innovation blâmable. Leur hostilité atteignit son paroxysme. Tous les moyens furent utilisés pour détourner du nouveau maître les anciens disciples du maître El Bouzidi. Ils réussirent certes à détacher de lui quelques-uns d'entre eux, mais par centaines de nouveaux aspirants affluaient de tous les horizons. Il y eut même un ou deux chefs de Zaouïa avec tous leurs disciples. Le rattachement de Mohamed Ben Tayeb Derkaoui, l'arrière-petit-fils de Moulay Larbi Derkaoui lui-même, jeta le désarroi parmi les rangs des adversaires du maître. Tous furent déconcertés. Dans la lettre de Mohamed Ben Tayeb Derkaoui, publiée dans le livre des témoignages et avis juridiques, connu par les Shahid Wal Fatawi, on peut lire ce qui suit. Ce que j'ai constaté chez le maître me poussa à m'attacher à lui, dans le désir brûlant de réussir à ouvrir mon œil intérieur. Je lui demandai la permission d'invoquer le nom suprême. Jusqu'alors je n'avais été qu'un membre commun de la confrérie. Mais j'avais entendu dire que mes ancêtres considéraient la voix plus comme un moyen de réalisation directe que comme un simple rattachement à une chaîne spirituelle. Quand j'ai pratiqué l'invocation du nom suprême, selon les directives du maître, peu de temps après, j'obtins la connaissance directe de Dieu. Allah.
Devant le dynamisme débordant du maître El Alaoui, l'hostilité des Derkaoui rivaux ne tarda pas à s'éteindre comme feu de paille. Il était partout. Et partout où il allait, il gagnait des centaines de nouveaux disciples. Quelquefois, des tribus entières se rattachèrent à lui, à sa confrérie et à ses enseignements. Ainsi est le soutien de Dieu à ses fidèles serviteurs dans les moments difficiles. Un jour, alors qu'il se trouvait à Alger et se dirigeait vers la grande mosquée, il fut suivi en chemin par une centaine de personnes qui n'étaient musulmans que par naissance. Au seuil de la mosquée, le maître El Alaoui leur proposa d'entrer avec lui, ce qu'ils firent non sans hésitation. À peine entrés, ils furent invités par lui à s'asseoir, s'étant mis lui-même au milieu d'eux, il se mit aussitôt à les instruire. La leçon terminée, ils se tournèrent vers la Qibla avec repentir, puis prêtant serment au maître, ils jurèrent de ne plus désobéir à la loi de Dieu. On pouvait voir assis devant lui des milliers de gens, baissant la tête, comme si des oiseaux se posaient sur eux. Les cœurs remplis d'une piété respectueuse, les larmes coulant des yeux, buvant ses paroles avec une attention assoiffée. Comment expliquer ce phénomène, si ce n'est par le fait que le maître, en s'adressant aux gens, leur parlait dans un langage limpide, convaincant, d'autant plus qu'il jaillissait d'un cœur purifié des scories d'un islam littéraire, pointilleux, desséchant, jaillissant d'un cœur droit, ne pouvait que pénétrer droit chez les auditeurs du maître. Le récit suivant de Bouaziz Abderrahman est édifiant à plus d'un titre sur la conception du maître El Alaoui, quant à la manière de guider dans la voie. J'allais trouver un maître à bougie, et je reçus de lui l'initiation après qu'il m'eut prescrit comme condition la récitation quotidienne d'un nombre considérable de litanies. J'eus la persévérance de les réciter régulièrement. Après un certain temps, il m'ordonna de jeûner chaque jour, en ne mangeant que du pain d'orge trempé dans de l'eau. J'observais aussi cette règle, alors il me transmit les sept noms spécialement utilisés pour l'invocation dans cette confrérie. Au bout de quelques jours, il me donna l'ordre de partir pour servir de guide à d'autres. En attendant cela, je fus aussitôt accablé de découragement et de déception, car je savais que ce n'était pas là ce que j'étais venu chercher. J'avais seulement reçu de lui quelques vagues indications dont je n'avais pas saisi le sens. Et lorsque je lui en fis part, il m'interdit sévèrement de renouveler un tel aveu devant lui ou devant mes condisciples, de crainte de susciter en eux des doutes. Je quittai ce maître et me mis en quête d'un autre qui fût plus digne d'attachement. Jusqu'au jour, par la grâce de Dieu, j'entrai en contact avec le grand maître Ahmed El Alaoui, par l'intermédiaire d'un de ses disciples. Ce délégué, Mohamed Chérif ou Lassen, me prépara en me donnant à lire les dons sanctifiés. Puis, quand le maître lui-même vint en notre province du Constantinois en 1919, je renouvelai avec lui mon pacte d'allégeance initiatique. Il me transmit alors l'invocation du nom suprême, telle qu'elle était pratiquée par ses disciples et me dit «
que je pouvais faire cette invocation partout où cela était possible, dans le secret de la solitude ou bien ouvertement avec d'autres. Il resta 13 jours dans notre pays, et pendant ce temps, près de 2000 personnes, hommes, femmes et adolescents entrèrent dans la confrérie. Après qu'il fut retourné à Mostaganem, je me rendis auprès de lui et il me mit en retraite spirituelle. J'y restai 6 jours, et j'obtins là tout ce que j'avais antérieurement souhaité. Le maître El Alaoui procédait par étapes. Il visait d'abord la purification de l'âme du novice. Quand l'âme était purifiée, que l'œil intérieur s'ouvrait à la lumière divine, alors il autorisait certains de ses disciples parvenus à cette station à en guider d'autres. Nombreux étaient ceux qui avaient reçu cette autorisation de guide spirituel. Il tenait à ce que ses délégués fussent d'une intégrité irréprochable. À ceux qu'il envoyait par exemple prêcher dans des tribus de certaines contrées déshéritées, il leur interdisait strictement d'accepter des provisions de nourriture, à moins de nécessité absolue. Il ne leur permettait de ne demander rien que de l'eau pour leur ablution. Cette période de 1914 à 1934 vit la fondation d'un véritable réseau de Zaouïa au Maghreb, au Proche-Orient, en Europe. La Zaouïa mère de Mostaganem vibrait tout entière d'ivresse spirituelle. Pour la diffusion de la voie Alaoui, l'implantation de Zaouïa et l'initiation de disciples aux enseignements de la confrérie, des voyages étaient donc nécessaires. Ainsi le maître en entreprit-il beaucoup. Non content de sillonner l'Algérie, il alla de nouveau en Tunisie, notamment dans le Sahel où il visita en 1915 l'un de ses disciples les plus favoris, le maître Mohamed El Madani. Yeah.
Puis il retourna une troisième fois en 1918, où il se rendit notamment à Qais Ibn el-Medioni. Il discuta avec les oulémas diplômés de la Zitouna. Il rentra en Algérie auréolé plus que jamais, tant le niveau des discussions était élevé. Ce fut probablement en 1924 qu'il se rendit au Maroc pour la première fois. Il se rendit une deuxième fois en 1928. On le vit alors à Fès, discourir avec certains de ses savants formés à l'université Al-Qarawiyyin. Au printemps de 1930, il fit le pèlerinage à la Mecque. Il visita Médine, Jérusalem, Galilée, la province de Gaza, Damas, Beyrouth. Transitant par Marseille, il rentra en Algérie. Fonder des zaouias, là où il se rendait, n'était pas suffisant. Il fallait veiller à ce que ces centres de rayonnement spirituel fussent bien entretenus. Pour cela, Maître El Alaoui fonda fin des années 20 l'Association de l'Éclairement. Elle avait pour mission de faire en sorte que les mosquées et zaouias ne manquent de rien, éclairage, couverture de sol, badigeonnage, assurer la maintenance des édifices, les restaurer au besoin. Voilà le but réel et avoué de l'association, dont les sections se multiplièrent très vite. Pour que le maître fût omniprésent, que ses idées fussent connues simultanément en Algérie, au Maroc, en Tunisie et au Proche-Orient, il fonda à Alger en janvier 1923, un journal hebdomadaire, Lisan ed-Din, ou La Voix de la Foi. Mais il ne fit pas long feu et n'alla pas au-delà de 25 numéros. Il fallait donc que la confrérie possédât sa propre imprimerie pour combler cette lacune dans le domaine de l'impression. Il en acquit en effet une imprimerie le 22 novembre 1924 par le truchement de son cousin Abdelkader et Salah Ben Dimred. Ainsi le maître eut le loisir de fonder en 1926 un autre hebdomadaire, El Balagh El Jazairi, ou le communiqué algérien. Sur un autre plan, le maître El Alaoui ne cessa pas de publier des traités pour le développement, l'explication et l'apologie du soufisme. La période de 1914 à 1934 fut incontestablement la période la plus féconde à cet égard. Le souci de garder l'islam des multiples dangers qui le menaçaient, de le désintégrer, obsédait continuellement le maître El Alaoui. Il fallait s'attaquer d'abord aux pires ennemis de la religion, ceux qui parlaient en son nom. Les marabouts cupides,
aux appétits insatiables qui exploitaient la naïveté du petit peuple, constituèrent une cible de choix pour l'hebdomadaire El Balar El Jazairi. D'autant plus qu'ils cultivaient sciemment chez les masses ignorantes, les germes de basses superstitions maraboutiques, et certains usages qui avaient lentement enveloppé la foi de véritables scories pagano-islamiques, telles que la dévotion au tombeau, coutume stupide et anté-islamique. L'occidentalisation, avec tous les aspects négatifs qu'elle véhiculait, n'échappait pas non plus à ces attaques véhémentes. La naturalisation représentait un danger réel, une perte certaine de l'identité musulmane, car elle portait atteinte aux croyances, au statut personnel des indigènes, qui à partir du moment où ils jouissaient du statut de naturalisés français, échappaient automatiquement à la loi musulmane, la charia, pour relever de la juridiction française, en plus d'un point contradictoire avec la juridiction islamique. Les articles du journal El Balar El Jazairi revêtaient très souvent une tunique littéraire, qu'on pouvait dire endeuillée, le style incisif, réveillait et stimulait les sentiments quelque peu mis en veilleuse. Au peuple algérien, toi qui n'as jamais trahi le pacte qu'il a conclu avec Dieu, tu as toujours respecté ce dépôt sacré. Peux-tu sacrifier ton passé? Peux-tu faire bon marché de tant de vertus, ou permettre à des parvenus, guidés par l'intérêt de le faire? L'alcoolisme était un autre fléau social. La société algérienne était minée. Lorsque le ministre de la guerre, Georges Clemenceau, promulgua un arrêté interdisant la consommation de boissons alcoolisées aux soldats indigènes, le maître El Alaoui n'hésita pas à lui télégraphier, tant cette question l'obnubilait. En mon nom personnel et au nom des musulmans d'Algérie, nous vous félicitons pour votre prohibition des boissons alcoolisées. Dans l'espoir que votre gouvernement étendra cette mesure à toute la population dans un avenir proche. C'est qu'en réalité, la gangrène de l'alcoolisme n'était qu'une des formes multiples que revêtait le mimétisme borné, une des mille et une facettes de l'occidentalisation des esprits, des mœurs, des habitudes de penser, de sentir et de voir. Aussi se répandait-il contre le port du chapeau, du pantalon, la façon de se vêtir autrement. Il est évident que délaisser les vêtements traditionnels qui rappellent l'environnement psychologique pour en adopter d'autres était symptomatique de la personnalité, car l'habillement moderne signifiait un certain reniement de l'identité culturelle, ou tout simplement à se départir d'une partie quelconque de son patrimoine historico-culturel. La lutte contre ces tendances centrifuges passait forcément par la défense de l'islam. Le maître El Alaoui n'avait de cesse d'exalter le retour à un islam des compagnons, à un islam tout chaud de la révélation prophétique, non encore sclérosé par le travail des juristes postérieurs. Mais la langue arabe était reléguée au dernier plan dans le système pédagogique colonial. Le maître El Alaoui fut l'un des premiers à en prêcher la rénovation. Pour bien comprendre le Coran et les livres des hadiths, la connaissance de la langue arabe s'imposait. L'hebdomadaire El Balar El Jazairi s'y attela avec d'autant plus d'énergie que l'on en déplorait la décadence et que certains groupements idéologiques indigènes réclamaient l'assimilation à la mère patrie.
Leur chef incontesté était Ferhat Abbas. De là à conclure que le maître El Alaoui était obscurantiste, réactionnaire, il n'y avait qu'un pas à faire. D'aucuns le franchirent prestement. En fait, le cheikh Ahmed El Alaoui était trop ouvert pour prôner l'obscurantisme. Tout musulman, pensait-il, devait être littéral, recommander l'instruction, encourager les sciences. Les musulmans des premiers temps s'étaient largement intéressés aux civilisations anciennes, grecques et persanes notamment. Pourquoi voulez-vous que nous, qui sommes contemporains de la civilisation européenne, ne nous intéressions pas à cette merveilleuse civilisation ? Pour ma part, il n'y a pas un jour qui ne passe sans que je recommande à mes adeptes d'envoyer leurs enfants à l'école pour y apprendre la langue française. Apprendre à conduire une auto, assimiler les merveilleux travaux de la mécanique, n'est pas incompatible avec la religion. Elle n'empêche pas l'homme d'atteindre les plus hautes cimes de la science. Elle est un guide qui s'efforce de rendre l'homme meilleur en détruisant chez lui les mauvais instincts. Nous ne faisons que rendre trop vivaces chez l'homme les préceptes d'Abraham, Salomon, Jésus et Mohammed. Paix à eux. Son modernisme religieux fut d'une hardiesse qui déconcerta tous ses coreligionnaires. En effet, alors qu'à l'Institut El-Azhar au Caire, de furieuses polémiques accueillirent la traduction du Coran en langue turque. Qu'une commission spéciale des oulémas fut désignée, à seule fin d'élucider ce problème épineux. Qu'après de longues discussions, cette commission spéciale émit l'avis que la traduction explicative du sens du Coran était permise, à la condition expresse que cette traduction ne prît pas le nom du Coran tout court, et que la reproduction du Coran, mot pour mot, n'était pas permise. Le maître El Alaoui, en 1930, déjà un an avant la décision historique tronquée de l'Université du Caire, avouait n'avoir aucun inconvénient à la traduction du Coran en français, ou bien en berbère. Mais pour la diffusion la plus large des paroles divines, il transgressait la lettre pour en garder l'esprit. Il fallait que chaque homme doué de raison, et la chance d'avoir un contact direct avec le livre divin, et n'en fut pas privé du fait qu'il ignorait l'arabe. Mieux encore, il poussa son audace plus loin et admit, contrairement à l'opinion de tous les juristes classiques, que la shahada, la profession de foi à défaut de l'arabe, pouvait être dite dans une autre langue, car le but en cela est la reconnaissance de l'unité de Dieu, et de la mission de son prophète Mohammed. Diffuser l'islam, lui redonner la place qu'il occupait dans le cœur du peuple par le passé, le revaloriser, nécessitait la conjugaison des efforts de tous les hommes de bonne volonté, soucieux de défendre leur identité culturelle, de préserver leur personnalité de la désintégration que faisaient peser sur la communauté algérienne les autorités coloniales et les partisans de l'assimilationnisme. Ce fut ainsi que naquit l'Association des oulémas musulmans algériens. Ce que tous les historiens d'Algérie contemporaine ignoraient pratiquement,
c'est que quand l'idée germe dans l'esprit de ce riche bourgeois d'Alger, Omar Ismail, qui était un fervent défenseur des valeurs islamiques d'autant qu'il était kabyle arabisant, celui-ci s'en ouvrit au rédacteur du journal El Balar El Jazairi, ou le communiqué algérien, Mohamed El Mahdi, qui de son côté, en fit part au maître El Alaoui. Ce dernier ayant jugé l'idée bonne et y adhéra. Ce fut alors que l'hebdomadaire Alaoui mena une vaste campagne en vue de mieux faire connaître le projet. L'hebdomadaire El Balar El Jazairi était donc le seul journal algérien qui avait loué les conséquences bénéfiques de la fondation d'une association de cette nature, jusqu'à ce qu'un groupe d'ouléma répondît à ses exhortations. Les oulémas, cependant, étaient inquiets sur le sort de l'association future. Ils craignaient qu'elle ne soit un instrument entre les mains des chefs de Zaouïa. Aussi, lors de l'assemblée constitutive, s'arrangèrent-ils pour être plus nombreux que les chefs des Zaouïa. Abdelhamid Ben Badis s'était absenté pour raison de maladie. Ainsi fut désigné par l'association comme président. Du côté des maîtres spirituels, jusque-là méconnus et négligés par les historiens, était présent à l'assemblée constitutive de l'association des oulémas musulmans algériens, Ahmed El Alaoui. Il fut clair qu'à partir de ce jour l'association passait aux mains des réformistes, non des oulémas, et chaque jour elle revêtit une parure nouvelle du réformisme, au point qu'elle devint une association néo-wahhabite. Cette expérience de conjugaison d'efforts entre les différents groupements idéologiques musulmans ayant avorté, le maître El Alaoui ne s'avouait pas vaincu pour autant. Il disposait de l'hebdomadaire dont on se flattait qu'il avait le plus fort tirage en Algérie, et qu'il était lu partout. Un an plus tard, la dissolution définitive était parvenue avec les réformateurs. Il a donc fondé une nouvelle association regroupant les savants orthodoxes, l'Association des savants sunnites d'Algérie. Le rédacteur en chef d'El Shihab, Abdelhamid Ben Badis, n'avait pas ménagé le maître El Alaoui dans son journal. Il ne ratait pratiquement jamais l'occasion de le critiquer, car pour Ben Badis, tous les chefs de confrérie se valaient, et séparer le bon grain de l'ivraie ne faisait pas partie de ses préoccupations majeures. Donc l'hebdomadaire El Shihab décochait très souvent en direction de la Zaouïa de Mostaganem, des attaques d'une rare violence, ce qui poussait l'hebdomadaire El Balar El Jazairi à parer ses offensives. Mais voilà que par une coïncidence toute fortuite, le maître El Alaoui et Ben Badis, invités à des noces à Mostaganem, se trouvèrent face à face. C'était en 1931. Le maître El Alaoui invita son adversaire dans sa Zaouïa. L'invitation acceptée, on put lire dans l'hebdomadaire El Shihab, qui suivit cette rencontre. Le cheikh offrit un souper, auquel assistèrent certaines personnalités de Mostaganem, ainsi que certains de ses disciples. Il se montra d'une cordialité et d'une aimabilité extrême, au point de servir lui-même certains de ses invités. Après le repas, on récita des versets du Coran, puis les disciples du cheikh se mirent à chanter des odes. Leur chant était d'une telle beauté, que l'assistance en fut extrêmement émue.
L'agrément de cette soirée fut encore haussé par des intermèdes de discussions littéraires, portant sur la signification de certains vers. Parmi les nombreuses marques de courtoisie que nous prodigua le cheikh, notre hôte, je fus particulièrement sensible au fait que pas une seule fois, il n'effleura un sujet de désaccord entre nous, de la moindre allusion, qui eût pu m'obliger à exprimer mon point de vue, et à le défendre. Pour être mu par une pareille courtoisie, en face de l'un de ses adversaires les plus irréductibles, il fallait plus que la diplomatie, que le tact, que l'intelligence. Il fallait être habité par le désir d'aimer et de pardonner, de montrer que ce n'était pas à la personne de Ben Badis que l'hebdomadaire El Balar El Jazairi s'attaquait. L'islam, comme par le passé, devait se maintenir en Europe et se propager, non par la force des épées, mais par la douceur, la bonne parole qui ressemble à un arbre, aux racines bien profondes et au feuillage altier. Récupérer d'abord les musulmans émigrés travaillant en France, dans des conditions susceptibles de les éloigner, non seulement de leur religion, mais de la leur faire oublier. Voilà le but immédiat que le maître El Alaoui s'était proposé de réaliser. Les disciples Alaoui en France ont ouvert dans les années 30, trois restaurants, respectant scrupuleusement la loi musulmane, la charia, et conservé ainsi les permissions et les interdictions concernant l'alimentation, afin que les musulmans ne soient pas obligés d'aller se nourrir dans les lieux où la nourriture ne respecte pas les préceptes de la loi musulmane. En plus des lieux de prière et d'ablution qui étaient disponibles dans chaque restaurant. Déjà, en 1924, le nombre d'adeptes alaouites travaillant sur les chantiers de construction du métropolitain était considérable. Dans un procès-verbal de la Chambre des députés, on pouvait lire que les adeptes de M. le maître El Alaoui sont des gens propres, qu'ils mènent une vie saine, qu'ils sont courtois, que leur éducation appelle à l'amour. Comme ces gens-là demandaient un lieu de réunion, le rapport de la Chambre abondait dans ce sens. La Grande Mosquée de Paris, elle fut inaugurée entre autres par le maître El Alaoui le jeudi 15 juillet 1926, parmi les 3000 invités. Il prononça un discours, non comme on le dit officiel, mais en privé dans une salle réunissant les oulémas et un nombre de musulmans. Les quatre discours officiels ont été prononcés par Si Kadour Ben Rabrit, en sa qualité de président de l'Institut musulman, M. Gou, président de la Commission interministérielle des affaires musulmanes, du sultan Moulay Youssef, et du président de la République M. Gaston Doumergue. Quant au prêche du vendredi 16 juillet, il était honoré par le cheikh Ahmed Skir Edjatijani. La deuxième initiative du maître El Alaoui fut d'amener les autorités françaises à fonder au bénéfice des émigrés l'hôpital franco-musulman.
il fut inauguré 8 mois après son décès, soit le 22 mars 1935. Avant cela, les musulmans venaient au dispensaire de la Grande Mosquée de Paris qui n'accueillait que 15 lits. Les soins étaient gratuits, suite à une décision de la municipalité de Paris au mois d'octobre 1930. Dans les années 20, un musulman mort en France devait y être inhumé, car sa famille n'avait aucunement le droit de rapatrier la dépouille mortelle de l'un des siens. Cela poussa le maître El Alaoui à solliciter un cimetière musulman. Le cimetière franco-musulman vit donc le jour environ 3 ans après son décès, il fut inauguré le 12 février 1937. Créé par décret présidentiel du 4 janvier 1934, il doit son statut musulman au fait d'être juridiquement une annexe de l'hôpital franco-musulman ouvert en 1935, actuel hôpital Avicenne de Bobigny. En effet, la loi de 1881 supprime le caractère confessionnel des cimetières. Y sont inhumées les personnes décédées à l'hôpital. Avec la Grande Mosquée de Paris et l'hôpital franco-musulman, le cimetière fait partie en premier lieu des réalisations effectuées en hommage au sacrifice des milliers de soldats indigènes colonisés, mobilisés pendant la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, des délégués européens initiés aux enseignements de la confrérie eurent pour mission de jeter la lumière en Europe sur l'islam authentique, car certains esprits mal intentionnés décrivaient comme une religion fanatique et sanguinaire. Ces délégués devaient parler à tous, sans distinction de race, de sexe ou de rang social. La consigne était de parler de l'islam aux peuples de toute origine. Par l'effet de sa seule baraka, un flux spirituel, le maître El Alaoui a largement contribué à l'ouverture de l'Occident à l'islam. Il a préparé l'éclosion en Europe d'un islam de connaissance, de sagesse et d'amour. La plupart des conversions en islam qu'enregistre l'Occident depuis maintenant des décennies ne sont pas dues à la diligence des wahhabites, mais, pour l'essentiel, à la spiritualité universelle que véhicule le soufisme. Certes, les missionnaires d'Afrique du Nord, les Pères Blancs, par leur prosélytisme plus ou moins heureux dans la Kabylie, représentaient un danger réel pour l'identité islamique des Berbères. Si le maître El Alaoui, à travers l'hebdomadaire El Balar El Jazairi, s'était attaqué, je cite, à ces vecteurs de germes de désintégration spirituelle, de l'identité spirituelle des Kabyles, il n'en restait pas moins qu'il les défendait, quand la nécessité s'en faisait sentir. Il faisait observer, en effet, que la majorité d'entre eux n'étaient pas forcément les instruments politiques de leurs gouvernements respectifs. Loin d'approuver cette politique de colonisation à outrance, ils exhortaient bien au contraire leur pays à sacrifier leurs intérêts strictement matériels pour s'occuper avec plus de sérieux des problèmes moraux qui se posaient aux peuples dominés. Loin d'être nourri d'opinions fanatiques, de véhiculer des préjugés défavorables aux chrétiens, le maître El Alaoui cherchait leur amitié. Si je trouvais un groupe qui soit mon interprète auprès de l'Europe, on serait étonné de voir que rien ne divise l'Occident de l'islam. Non qu'il désirât un syncrétisme islamo-chrétien, comme l'écrivait Prost Biraben, en affirmant qu'il étudiait avec le prêtre catholique de Géryville, le père Giacobetti, les moyens pratiques de mettre en harmonie les volontés chrétiennes et musulmanes.
mais ayant un profond respect pour les gens du livre, il cherchait l'entente entre Français catholiques et musulmans, en amenant les premiers à renoncer au mystère de la Trinité et à celui de l'Incarnation, alors, plus rien ne séparera les deux communautés. Cette discussion entre le maître El Alaoui et le père Giacobetti avait lieu sur le pont d'un bateau, en juillet 1926, alors que l'un était appelé à assister à l'inauguration de la mosquée de Paris, et que l'autre à faire une conférence sur les confréries religieuses musulmanes, à Louvain en Belgique. Néanmoins, le père Giacobetti répondit au maître El Alaoui que s'il voulait avoir cette paix avec les chrétiens, il n'avait pas à leur demander de se suicider. Car c'est cesser d'être chrétien que de renoncer aux deux principaux mystères de leur religion. Et ils se quittèrent en bons amis. Le maître se nourrissait à peine. D'habitude, il se nourrissait d'un litre de lait et de quelques dattes sèches. Désormais, il ne s'y résolvait que pour la nécessité la plus pressante. Il se trouvait si peu disposé à manger. De surcroît, il disait : manger de la chair est un meurtre. Et le végétarisme est lui-même un attentat contre la vie. Il faut étendre la fraternité humaine aux animaux et aux plantes. C'est une horrible nécessité de ne pouvoir vivre qu'aux dépens des choses vivantes. Cueillir une fleur est un comble de cruauté. Au crépuscule de sa vie, le maître était parvenu à une sorte de tolstoïsme, où la résignation au mal se teintait de miséricorde, d'une tendre sollicitude envers le prochain, qui était aussi la bête et le végétal. Il s'absorbait de plus en plus dans le nom divin, et ne se nourrissait plus, pour ainsi dire, malgré les abjurations du médecin. Il savait que le moment approchait. Pourtant, malgré sa sénilité croissante, son anémie chronique, son asthme incurable, il continuait à initier ses disciples, à s'entretenir avec eux, seulement il écourtait sa présence parmi eux. Son cœur faiblissant, ses pulsations devenaient irrégulières. Au cours de l'année 1932, il sombra dans une demi-syncope. Lorsque le médecin, Marcel Carré, arriva en toute hâte, le pouls était imperceptible. Après cette alerte, il y eut beaucoup d'autres. Durant les accalmies cardiaques, le maître reprenait ses enseignements, sa direction spirituelle. Le médecin Marcel Carré dit dans ses souvenirs :
Il semblait cependant aspirer vers la fin, mais l'attendait avec impatience. Toute sa vie intérieure, intense, ne se manifestait que dans son regard. Le corps ne semblait plus qu'un support, usé, qu'il allait s'effriter d'un moment à l'autre. Un matin, il me fit appeler. Il ne paraissait pas être dans un état plus alarmant que les jours précédents. Mais il me dit « C'est pour aujourd'hui. Promettez-moi de ne rien faire et de laisser s'accomplir les choses. » Je lui fis remarquer qu'il ne me paraissait pas plus mal que la veille. Mais il insista. « Je sais que c'est pour aujourd'hui. Et il faut me laisser retourner au sein de Dieu. » Je le quittai impressionné, mais un peu sceptique. Je l'avais vu tant de fois, la vie suspendue à un fil, sans que le fil se rompît. Il en serait ainsi ce jour-là, comme tant d'autres fois. Deux heures après la visite du médecin, le maître reposa au sein de Dieu. Le chandelier avait consommé jusqu'à la dernière goutte d'huile. La lumière s'éteignit. C'était le samedi matin 14 juillet 1934. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. La meilleure des positions que nous puissions citer sur le statut du maître El Alaoui, sur sa sincérité, sur sa mission et l'émergence de son étoile dans les horizons, est ce qui a été publié dans le livre des témoignages plus connu par « Shahid et Fatawi » concernant ce qui est authentique pour les savants sur le maître El Alaoui, qui a été imprimé en 1925. Ce livre est le résultat d'un ensemble de témoignages de l'élite, comprenant les muftis, les juges, les savants, les professeurs, les notables des villes et leurs élus, ceux qui occupaient des postes importants et officiels, qui vivaient à l'époque de Maître El Alaoui, qui l'ont rencontré seulement, ou ont suivi ses enseignements. D'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, du Yémen et du Hijaz, dont le nombre est d'environ 356 témoins. Il comprend également des courtes biographies de quelques érudits et des grands disciples, d'environ 120 témoins. Et tous ces témoignages s'accordent sur une même chose, qui est la reconnaissance unanime du statut juridique du maître, de son rang élevé, et de son enracinement dans les sciences, qu'elles soient exotériques ou ésotériques, de sa brillance intellectuelle, de ce qu'il a apporté dans ses écrits, en plus de son rôle éducatif, social et spirituel. Et comme il nous est impossible d'énumérer leurs témoignages, ou une partie d'entre eux, on se limite aux témoignages de quelques occidentaux, certains d'entre eux ont embrassé l'islam et d'autres sont restés fidèles à leur foi. Leurs témoignages reflètent l'expression la plus fidèle de la vision de l'homme occidental, qui est censée être subjective, mais le contraire s'est imposé, leurs témoignages sont tous objectifs et positifs en général.
Issa Frisiof Chuan, dit que c'est grâce à Ahmed El-Alaoui qu'il trouva les moyens de connaître Dieu. Vêtu d'une djellaba brune et coiffé d'un turban blanc, à la barbe argentée, ses yeux de visionnaire et ses longues mains, dont les gestes semblaient alourdis par le flux de sa baraka. Le docteur Marcel Carré nous rapporte dans ses souvenirs. J'ajouterai que j'ai trouvé sa maigreur alarmante. Sa voix était douce, un peu voilée, il parlait peu, en phrases courtes. D'une voix de cristal fêlée laissant tomber ses paroles, goutte à goutte, il y avait un ton résigné et détaché dans cette voix. Et il semblait que les pensées qu'elle transmettait n'étaient plus que des extériorisations très fragiles, très transparentes, n'émettant jamais de paroles inutiles. Augustin Berck, qui était administrateur et trésorier de la Société historique algérienne, avait publié dans la revue africaine un long article au sujet du maître El-Alaoui, et décrit d'une façon vivante et complète l'expérience qu'il eut du maître. Il le fréquenta durant 13 années, de 1921 à 1934. Il était d'apparence chétive. Il émanait de lui un rayonnement extraordinaire. Un irrésistible magnétisme personnel. Son regard agile, lucide, d'une singulière attirance, décelait l'habileté d'un manieur d'âme, et la force sûre d'elle-même. Très affable, courtois, en retrait, tout de nuances et d'attitude, volontiers conciliante. Il réalisait à merveille le type du marabout déjà évolué. On sentait en lui une volonté tenace, une ardeur subtile qui en quelques instants, consumait son objet. S'il suscita des enthousiasmes délirants, ce fut moins par sa théodicée que par son irradiation personnelle. Concernant son irradiation personnelle, écoutons ce qu'a dit à ce propos son disciple et secrétaire, Mohamed Ben Bachir El-Jeridi El-Nefti, qui est le co-auteur du livre « Shahid et Fatawi » ou les témoignages et avis juridiques au sujet du maître El-Alaoui, qui vécut longtemps à la Zaouïa de Mostaganem puis s'installa plus tard dans la ville de Relizan. Le rayonnement de sa présence était tel que lorsqu'il sortait, il était capable d'entraîner irrésistiblement les êtres à sa suite dans la rue. Déjà à cette époque, il avait cessé d'avoir recours pour me parler, mal entremise de Sidi Mohamed. Mohamed Ben Bernou était le neveu du maître qu'il adopta, il décéda en 1927. Celui-ci était néanmoins presque toujours présent à nos entretiens. Le plus souvent nos conversations avaient lieu en français et Sidi Mohamed n'intervenait que dans le cas où le cheikh estimait ne pouvoir exprimer exactement sa pensée en notre langue. Berck et les gens de son milieu ont vu en le maître El-Alaoui, l'homme d'un grand savoir, d'une rare éloquence, un esprit infatigable et fécond. Ils l'ont à la fois admiré et craint à cause de l'impact qu'il avait sur tous ceux qui l'approchaient, y compris eux-mêmes. Sa curiosité intellectuelle s'aiguisait chaque jour, et jusqu'à son dernier souffle. Il resta un fervent de l'investigation métaphysique. Il est peu de problèmes qu'il n'ait abordés. Agile et légère, sa dialectique renouvelait les problèmes, les avivait au passage d'un brillant trait de pourpre. Il platonisait avec une grâce élégante. Son imagination primesautière, chatoyante, infiniment nuancée, s'installait d'un coup d'aile dans les systèmes les plus abrupts. Et son amitié des idées était si passionnée, qu'il les apaisait, les réconciliait, les fondait dans une large synthèse. En possession d'un vaste savoir, d'une éloquence singulière et percutante. Au début de sa propagande et alors qu'il paraissait suspect, on le fit surveiller par les observateurs qui prirent son contact. Il revint ébloui, catéchisé, entraîné eux aussi par ce vestige de l'esprit et de l'âme dont le maître El-Alaoui avait emporté le secret. Le père Giacobetti décrit la façon dont le maître s'asseyait. Je cite. Assis sur une peau de mouton, le cheikh se reposait sur le pont des secousses du bateau qui nous transportait à Marseille. Le témoignage irrécusable du père Giacobetti, ayant trait entre autres, à la façon dont le maître El-Alaoui était assis, cadrait parfaitement avec le dépouillement relatif du cadre dans lequel le maître passait le plus clair de sa vie quinquagénaire, et dont le docteur M. Marcel Carré nous fit une description minutieuse. La salle où l'on me fit entrer était comme toutes les pièces des demeures musulmanes, dépourvues de meubles. Il ne s'y trouvait que deux coffres. Que j'ai su plus tard, qu'il renfermait des livres et des manuscrits. Mais le parquet était couvert de bout en bout, de tapis et de nattes d'alpha. Dans un coin un matelas, recouvert d'une couverture.
De cette retraite jaillissaient, à profusion, d'immenses jets d'amour qui atteignaient d'abord les disciples. Cet amour excluait naturellement chez lui toute forme de violence que du reste, il haïssait. Un jour, alors que le maître lisait paisiblement, voilà qu'un de ses adeptes vint lui rapporter qu'un frère venait de commettre une faute grave. Mais le maître continua à lire comme si de rien n'était. L'adepte insista. Le maître continua à lire, mais le disciple s'obstina à le mettre au courant de l'agissement répréhensible du fauteur. Alors, brusquement, le maître posa le livre sur ses genoux, quitta ses lunettes, et regardant son disciple, il l'interrogea. Lorsque, sur le bord du chemin, ton frère s'est endormi, que le vent soulève sa chemise jusqu'à le mettre à nu, est-ce que tu rabaisses la chemise ou bien tu la soulèves ? Le disciple répondit avec gêne qu'il la rabaisse. Eh bien alors couvre. Couvre ton frère. Couvre-le. Même aux non-musulmans, il témoignait cet amour. Lorsque le docteur Carré visita le maître pour la première fois, on lui servit du thé à la menthe et des gâteaux. Le maître n'y toucha pas, mais invita le docteur Carré à boire lorsque le thé fut servi. Lorsque je portai le verre à mes lèvres, il prononça pour moi le bismillah de par le nom d'Allah. Demander à Dieu sa baraka, le flux divin, pour un non-musulman, n'était-ce pas là l'expression silencieuse d'un amour profondément sincère pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore? D'aucuns diraient que c'était probablement par calcul que le maître sollicitait la baraka pour celui qui allait le soigner, donc pour lui par ricochet. Mais le témoignage du docteur est formel. Il m'avait fait venir, me dit-il, non pas pour que je lui prescrive des médicaments. Il en prendrait certes si je jugeais que cela fût absolument indispensable et utile. Mais il n'y tenait nullement. Il désirait simplement savoir si l'affection qu'il avait contractée depuis quelques jours était grave. Il comptait sur moi pour lui dire, en toute franchise et sans réticence, ce que je pensais de son état. Le reste peu importait. J'étais de plus en plus intéressé et séduit. Un malade qui n'a pas le fétichisme du médicament est déjà un phénomène rare. Mais un malade qui se soucie peu de guérir, et désire simplement savoir où il en est, constitue une rareté encore plus grande. Le docteur Carré poursuit et dit, je cite, « Je lui fis remarquer qu'une nourriture insuffisante l'affaiblirait de plus en plus, et surtout diminuerait sa force de résistance contre les maladies à venir. Je comprenais fort bien qu'il n'attacha aucun intérêt à cette manifestation purement matérielle, que si d'autre part, il pensait devoir dans une certaine mesure prolonger ou simplement conserver son existence. Il lui était indispensable de se plier aux exigences de la nature, si ennuyeuses qu'elles fussent. Cet argument le frappa sans doute, car il resta un long moment silencieux. Puis il fit un geste évasif de la main, « Allah y pourvoira », fit-il doucement, tandis qu'un léger sourire errait sur ses lèvres. En dépit de l'état de santé précaire du maître, Issa Frithiof Chuon est reçu dès le lendemain de son arrivée à Mostaganem en novembre 1933, et nous donne une description détaillée des traits de caractère du maître. Ses yeux, deux lampes sépulcrales, ne paraissaient voir sans s'arrêter à rien, qu'une seule et même réalité. Celle de l'infini à travers les objets, ou peut-être, un seul et même néant, dans l'écorce des choses. Regard droit. Presque dur par son énigmatique immobilité, et pourtant plein de bonté. Souvent, les longues fentes des yeux s'élargissent subitement comme par étonnement, ou comme captées par un spectacle merveilleux. La cadence des chants, des danses, des incantations rituelles semblait se perpétuer en lui par des vibrations sans fin. Sa tête se mouvait parfois dans un bercement mystique, pendant que son âme était plongée dans les inépuisables mystères des noms divins, cachés dans le zikr. Une impression d'irréalité se dégageait de sa personne, tant il était lointain, fermé, insaisissable dans sa simplicité toute abstraite. Ses disciples ont vu en lui, une tragédie de la pensée moderne, la réaction de l'âme contre une civilisation mécaniste, qui oublieuse du cœur, réduit le monde à une froide géométrie. Nul ne saurait douter de sa sincérité, de sa probité spirituelle. Sa foi était débordante, communicative, tout en lyrisme jaillissant. Il appartenait à cette classe d'esprits si fréquents en Afrique du Nord, qui peuvent passer sans transition de la rêverie à l'action, de l'impondérable à la vie,
des grands mouvements d'idées, aux infinitésimaux de la politique indigène. Dès le premier contact, j'eus l'impression d'être en présence d'une personnalité sortant de l'ordinaire. La régénérescence métaphysique du maître El Alaoui enthousiasma Chuan. On l'entourait de la vénération que l'on devait à la fois au saint. Un saint du Moyen-Âge, ou un patriarche sémitique. Sur ce matelas, le dos appuyé contre des coussins, le torse droit, les jambes repliées, les mains posées sur les genoux, immobile, en une attitude hiératique, mais que l'on sentait naturelle, était assis le cheik. Ce qui me frappa de suite, fut sa ressemblance avec le visage sous lequel on a coutume de représenter le Christ. Ses vêtements, si voisins, sinon identiques, de ceux que devait porter Jésus, le voile de très fin tissu blanc qui encadrait ses traits, son attitude enfin tout concourait pour renforcer encore cette ressemblance. L'idée me vint à l'esprit que tel devrait être le Christ recevant ses disciples lorsqu'il habitait chez Marthe et Marie. Le rapport particulier du cheik El Alaoui avec Jésus, Issa, et pour être plus précis avec sa station spirituelle, qui dans l'islam, constitue un phénomène excessivement rare. Encore est-il que la forme prophétique du prophète Mohammed inclut et résume tout type de spiritualité représentée par les prophètes précédents. Le récit suivant confirme le sentiment du docteur Carré. Un père jésuite rendit visite au maître El Alaoui, il voulait entrer en contact avec un chef spirituel musulman et discuter avec lui. Dès qu'il fut en sa présence, il demeura interdit, incapable de proférer la moindre parole. Il resta un quart d'heure à l'observer dans un mutisme total. Incapable de soutenir davantage sa présence, il recula et prit la fuite, oubliant ses souliers dans son irrésistible précipitation. Néanmoins, il fut rejoint par quelques disciples à qui il avoua : J'eus l'impression que c'est le Christ qui est assis là, je n'ai pas pu soutenir le regard qui me scrutait. Je me demandais si je n'avais pas été quelque peu victime de mon imagination. Cette figure du Christ, ce ton de voix paisible et doux, ses manières affables, pouvaient avoir exercé sur moi une influence favorable, propre à me laisser supposer une spiritualité qui n'existait peut-être pas. Son attitude pouvait n'être qu'une pose voulue et calculée. Et sous cette apparence, qui semblait recouvrir quelque chose, peut-être n'y avait-il rien. Cependant, il m'avait paru tellement simple et naturel que ma première impression persiste. Elle devait se confirmer par la suite. Cette impression était d'autant plus sincère que le médecin ignorait tout du personnage avant de l'avoir vu. Le maître Ahmed Ben Alioua a une belle tête de Christ douloureux et tendre. Sa longue barbe offre ses particularités que noire sur le menton et les blanches sur les joues. Le visage maigre, ascétique, a une expression hautaine et fermée. Dès que les paupières se lèvent, elle découvre des yeux rieurs, les lèvres charnues s'entr'ouvrent en un sourire très doux. L'homme qui parle est tout différent de celui qui se taisait. Les mots s'échappent de sa bouche avec volubilité. De temps en temps, les phrases sont coupées d'un « n'est-ce pas cela, Sidi ?» quêteur d'approbation. Puis, quand la parole s'arrête, le sourire se fige brusquement. Le visage se ferme en même temps que s'abaissent les paupières. Le masque reprend sa rigidité hiératique. Comment oublier cette apparition d'un anachronisme émouvant ? Ce vieillard, fin et grave, qui semble être sorti de l'Ancien Testament ou du Coran, et qui exalta de lui quelque chose de l'ambiance archaïque et pure des temps lointains du prophète Ibrahim. Le maître Ahmed El Alaoui fut un de ces rares esprits qui avaient atteint les plus hautes cimes de la connaissance spirituelle et de la sagesse. Il y parvint par sa volonté et surtout par ses prédispositions naturelles. Contrairement à l'assertion d'Augustin Berck, et à l'affirmation de Gardet, et de Anahuati, le maître ne fut jamais en Perse et encore moins en Inde.
ce ne fut pas dans ces contrées lointaines qu'il s'initia à des formes de yoga et aux enseignements de la sagesse. Ce fut à Mostaganem qu'il progressa, qu'il s'éleva dans la voie. Car les quelques voyages qu'il fit, ne lui permirent guère que de s'occuper surtout de l'implantation de ses aouyas, de s'entretenir avec ses disciples, d'en recevoir des nouveaux initiés. Ils ne durèrent en tout cas jamais assez pour lui permettre d'acquérir quelques connaissances que ce fût. Le pèlerinage à la Mecque et le voyage qu'il entreprit au Moyen-Orient ne dura pas plus de 4 mois. Celui qu'il fit à Alger, Tunis, Tripoli, Istanbul, Sibéhet el-Médiouni, à Paris et à Fès, ne lui furent pas d'un immense profit, ils durèrent quelques jours, quelques semaines tout au plus. Tous les témoignages, émanant de surcroît de personnalités indépendantes de la confrérie, s'accordent pour affirmer que le maître n'était pas un imposteur. Que son existence privée était irréprochable, sans le moindre luxe, presque humble. Que son esprit large, et sa tolérance surprenaient tous les visiteurs étrangers. Il prêchait l'oubli des injures, la nécessité du pardon, l'amour entre musulmans, entre toutes les races. Que son effusion confondait, dans un élan d'amour, l'homme, l'animal, le brin d'herbe. Qu'il était parvenu à professer, et surtout à pratiquer un amour cosmique universel. Esprit vif, capable de jongler avec les subtilités les plus inaccessibles, sensible à la souffrance universelle, il faisait figure d'un véritable détenteur d'une étincelle de prophétie, destinée à souder les brèches manifestées dans les murs de l'édifice cosmique. Nous n'exagérons certainement pas en affirmant que le maître Ahmed el-Alaoui fut l'un des plus grands hommes que le XXe siècle ait connu. Par son impact sur la société, par son influence durable sur les esprits qui l'approchèrent, par ses enseignements pacifistes, par l'universalité de ses enseignements. Il était l'un des plus grands apôtres de la paix entre toutes les créatures, de la fraternité agissante entre les êtres, dont il percevait les souffrances les plus intimes, qu'il s'ingénia sa vie durant à résorber en appelant les hommes vers la voie de Dieu, vers Dieu l'ultime refuge. À une époque où le triomphe aveugle du matérialisme conduisait inéluctablement vers la destruction des espèces, le flambeau du savoir, de la connaissance, de la lumière était ranimé et tenu d'une main ferme par le maître Ahmed el-Alaoui. Qu'il repose en paix. Allah, 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 All
Allah.
الله